démarrer sur l'idée reçue numéro un. Une entreprise ne peut pas être sociale puisqu'elle est par nature tournée vers le gain, l'âpreté au gain. Et donc, elle ne pourrait pas être sociale. Alors, on a pris trois exemples. Le premier exemple, Google. Le deuxième exemple, Total. Et le troisième exemple, Envie, qui est une progression pour mettre en évidence que l'entreprise sociale, ce n'est pas une entreprise qui a une politique socialement responsable, qui a une politique de ce qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. L'idée n'est pas d'opposer l'une à l'autre. L'idée n'est pas de dire qu'il y aurait les bonnes entreprises, les entreprises sociales qui seraient dédiées à des causes nobles et merveilleuses. Et puis de l'autre côté, des entreprises sociales, des associations qui, elles, seraient sous perfusion de bonté, où il n'y aurait aucun problème d'argent, aucun problème de pouvoir, aucun problème d'ego. Et ceux d'entre vous qui travaillent dans des associations, parce qu'il y en a quelques-uns, et puis vous avez vu que je suis par exemple administrateur de président de la Clé pour l'autisme ou administrateur c'est une association parentale, la Clé pour l'autisme. Alors, en plus, nous l'avons créé avec ma femme, donc c'est quelque chose d'un peu plus facile, même si le mouvement parental n'est pas avare de querelles et de bagarres dans le monde du handicap. Mais vous prenez la Croix-Rouge, sans trahir de secret, il peut arriver qu'il y ait des oppositions liées à des questions d'ego, liées à des questions de pouvoir, enfin ce qu'on trouve dans n'importe quelle entreprise, n'est-ce pas, Georges? Mais voilà, j'en dirai pas plus. Tout ça pour vous dire que l'idée d'une entreprise, on a choisi Google, qui est très emblématique du soin qui est mis à la recherche des conditions de travail, à l'aménagement de l'espace. Au siège, vous avez des salles de baby-foo, des salles de détente. Au siège, vous avez des endroits qui sont aménagés à chacun des étages où on distribue des gâteaux, des boissons, enfin un ensemble d'éléments rafraîchissants et nourrissants. Alors, c'est peut-être pas très bon pour la lutte contre l'obésité, mais toujours est-il que les employés sont encouragés et stimulés à aller dans ces endroits le plus longtemps possible. Et les responsables de Google disent, mais ce qui compte, c'est que les gens règlent un problème. S'il leur faut 20 minutes assis dans un fauteuil à regarder les montagnes pour trouver la solution, et bien c'est aussi bien que de tourner des pages ou de faire semblant de tapoter sur son ordinateur. Et même si vous avez un chien et que vous travaillez chez Google, vous pouvez amener votre chien, et parce que l'idée de Google, c'est que des responsables de Google, c'est que un maître dont le chien n'a pas été promené ou qui s'inquiète pour la qualité de la promenade de son chien, eh bien, est un maître inquiet qui travaille moins bien. Je peux pas vous dire, j'ai pas de chien, je n'ai que des enfants. Je trouve que ça suffit largement à occuper mon bonheur en termes d'animaux domestiques. Mais voilà. Il semblerait. Alors, on n'a pas trouvé d'exemple concernant les enfants, mais il y en a sûrement. Mais bref, on est face donc à cette entreprise qui développe une politique de RSE, si vous voulez faire chic CSR, you know, et qui renvoie à une idée selon laquelle les questions sociales et sociétales sont complexes, nombreuses, et que finalement les solutions seront trouvées de façon multipartenariale et non pas, personne n'a d'une certaine façon le monopole de la réponse à une question sociétale, ni les entreprises, ni les pouvoirs publics. Le stade d'après, c'est la Fondation Total. C'est donc une fondation, donc un acte de philanthropie. La Fondation Total a vu sa dotation grandir en même temps que les résultats de l'entreprise croissaient. Donc elle est partie avec 8 millions d'euros de dotation. Aujourd'hui, on est à 50 millions d'euros de dotation sur la période quinquennale 2008-2012. Parce que de 2008 à 2012, ça fait bien 5 ans, parce que c'est les intervalles depuis qu'on est au CE2, on sait ça. Et cet argent-là est mobilisé, ces sommes-là sont mobilisées pour favoriser des actions au service de la culture, au service de la solidarité, au service des jeunes. Un mot pour dire qu'il y a de très fortes évolutions dans le domaine de la philanthropie aujourd'hui. On appelle ça la nouvelle philanthropie, on appelle ça les stratégies de grant making. Comment est-ce que les philanthropes donnent de l'argent? Pendant longtemps, il s'agissait, on va dire, de charité, avec tout ce que ce terme véhicule de connotation peut-être négative, mais aussi positive. Il y a un souci de l'autre. Et puis aujourd'hui, il y a une exigence de résultats, une exigence de mesures, une exigence des donateurs de savoir à quoi sert leur argent, où peuvent-ils être utiles, où peuvent-ils aider. Donc nous nous intéressons à cette philanthropie
et à la philanthropie sous cet angle-là. On aurait pu aussi choisir le profil de la philanthropie. Est-ce que le philanthrope est une vieille dame de 87 ans, un peu Alzheimer, avec quelques soucis avec sa fille, vous n'avez pas du tout compris de qui je parlais, ou est-ce que c'est un jeune gars de, alors, on va dire 45 ans, qui, ayant travaillé pendant 20 ans, ayant fait fortune, a décidé qu'il était urgent de partir s'acheter une île. Il peut même la louer, j'ai entendu ce matin qu'on pouvait louer des îles aux Seychelles. Et donc, c'est un autre profil, hein, d'entrepreneur. En l'espèce là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont l'argent est utilisé. Et puis, vous avez le troisième stade, qui est envie. Envie qui tient pour entreprise nouvelle de valorisation, d'insertion par l'économique, dont l'histoire est une belle histoire, puisque c'était il s'appelle Bruno Lallemand, il tenait l'accueil d'Emmaüs à Strasbourg, et puis il voyait arriver régulièrement des jeunes plus ou moins toxicomanes qui étaient promis au chômage ou promis à un sort d'inactif. Alors il est allé voir un psychothérapeute, psychologue, qui s'appelait, alors son prénom m'échappe à la seconde, mais qui s'appelait Marc Spitz, j'en suis sûr, et ils ont travaillé ensemble avec des travailleurs sociaux pour trouver, pour apporter une réponse à ces jeunes gens, et ils se sont grattés la tête, ils ont trouvé ce que serait cette réponse, ce serait de faire travailler des jeunes sur d'abord des matériaux électroniques usagés, des matériaux électriques, pardon, électroménagers usagés. Le premier gros contrat était avec Darty, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Ils ont récupéré les équipements électroménagers anciens, démontés, remontés, réparés, on va dire, et remis en état de marche avec une vente de ces nouveaux produits à un public au pouvoir d'achat, pardon, un peu inférieur ou plutôt inférieur à la moyenne, et permettant ainsi à des foyers d'accéder à un frigidaire, une cuisinière ou toute forme d'appareil électroménager auquel ils n'auraient pas eu accès parce que le prix de vente était de l'ordre de 30% du prix du neuf. Envie à quoi s'est développée, vous voyez, 900 équivalents temps plein, 48 antennes, ce qui est tout à fait considérable, avec une répartition géographique. Envie s'est développée dans les déchets électroniques, puisque une réglementation européenne a imposé le recyclage des déchets électroniques, notamment, alors on est les téléphones portables, les ordinateurs et autres. Et c'est l'occasion de vous mettre en évidence qu'une réglementation est parfois, voire souvent, la source d'une innovation, une innovation technique, mais aussi une innovation sociale. Voilà pour les trois exemples. Envie est une... Aujourd'hui, ce sont des associations. Il y a une fédération d'associations qui coordonne le réseau. Vous avez des entreprises dans le Nord, par exemple, comme Vitamine T, qui appartiennent au réseau Envie. Bref, toutes ces entreprises se sont regroupées, se sont rassemblées pour promouvoir à la fois une solution économiquement viable, une solution socialement utile, puisqu'il s'agit d'offrir à des personnes éloignées de l'emploi d'une part et à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits d'autre part le bénéfice de produits, et puis enfin une société environnementalement satisfaisante, puisque cette entreprise a pour objet de diminuer les déchets à traiter, diminuer les déchets qui seront stockés en centre de stockage des déchets ultimes. Donc les trois éléments et les trois pieds du développement durable.